Je m'appelle Didier Folumel, j'ai 61 ans et j'habite un petit village près de Strasbourg. On m'a diagnostiqué la maladie de Parkinson en 2019. Depuis, je vis au rythme de la maladie, qui n'est pas facile tous les jours. Un jour, tu peux voir quelque chose et puis l'autre jour, tu ne sauras rien faire. Les gens, quand ils me voient, ils me disent « mais t'as pas le Parkinson, tu trembles pas », mais ils ne peuvent pas comprendre. J'ai découvert l'association Ciel Bleu lors d'une journée de présentation de France Parkinson à Strasbourg. Donc, suite à cette rencontre avec Ciel Bleu, j'ai participé à un séjour qui était vraiment formidable, préchargé en émotions. Lors de ce séjour, j'ai compris qu'il fallait bouger pour vivre. J'ai découvert beaucoup d'activités. Le matin, on se réveillait tous de bonne humeur, plein de joie pour participer aux activités de la journée. J'ai découvert énormément de choses. Et un séjour où on n'a pas été jugé, où, qui était libre d'expression. Alors ce qui me reste de ce séjour, c'est plein d'envie, plein de bonne humeur, de bien-être. C'est quelque chose qui était fantastique dans le sens où on avait un regard de bienveillance par rapport aux autres. Depuis, on a gardé contact avec les participants pour se donner des nouvelles. Je voudrais remercier tous les participants, tous les acteurs, que ce soit la sophrologie, l'art-thérapie. C'est vraiment que de la bienveillance et du bien-être ensemble.